Ce plurilinguisme est une nécessité, je dirais, intellectuelle, linguistique, mais aussi cette nécessité, je dirais, d'ouverture au monde. Alors, il n'est pas normal, par exemple, qu'en France, aujourd'hui, l'enseignement de grandes langues comme l'allemand soit en régression depuis longtemps. Certes, on a ouvert quelques portes aux Coréens, aux Japonais, mais c'est encore trop modeste. Et puis, la langue arabe, qui appartient à notre histoire depuis, j'allais dire, François Ier, mériterait d'être mieux traitée qu'elle n'est. Elle n'est pas suffisamment enseignée au sein de l'école de la République. On abandonne l'apprentissage à des officines privées plus ou moins capables d'en assurer l'enseignement. Pas toutes, parce qu'il y a par bonheur quelques associations qui font un très bon travail. Alors, naturellement, la première priorité dans l'enseignement, c'est la langue française. La langue française qui, pour les citoyens de ce pays, sont la colonne vertébrale de notre enseignement. Et tout doit converger vers l'apprentissage de la langue nationale. Mais l'apprentissage d'autres langues contribue aussi à renforcer la maîtrise de la langue française. Ça peut paraître paradoxal, mais dans l'esprit, le jeu des comparaisons, des parentés ou des dissemblances entre la langue nationale et les autres langues contribue à permettre à l'élève ou à l'étudiant ou à l'adulte de mieux comprendre les singularités de la langue nationale.